Monsieur le Mali, Monsieur les autorités, Monsieur le maire, Monsieur l'ambassadeur, c'est avec un grand plaisir que je participe aujourd'hui à cette première assise de la Convention décentralisée de l'Oriental. Entre les Pays-Bas et le Maroc, existent des relations depuis maintenant plus de 400 ans. Les relations se sont intensifiées beaucoup dernièrement quand, dans les années 60, des dizaines de milliers de Marocains ont migré vers les Pays-Bas. Et ils sont d'origine surtout l'orientale et du nord. Entre-temps, la communauté de citoyens néerlandais, avec une origine marocaine, a atteint le nombre de 350 000, plus de 2% de notre population. Dans pas mal de villes néerlandais, 10 voire 20% de la population ont une origine marocaine. Pour cette raison, plusieurs municipalités néerlandaises ont tissé des relations avec les villes dans cette partie du Maroc. Je mentionne par exemple Zeist et Berkel, Meppel et Alorsema, Lae avec Nador et Auxerre. Avec l'association des municipalités aux Pays-Bas, ils ont exécuté, entre autres, un programme pour insérer les jeunes dans la vie associative et politique municipale. Et en ce moment, nous exécutons un programme avec le financement du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas pour aider la municipalité à développer des plans de gestion des déchets. Sur la base de cette modeste expérience, j'ai l'impression qu'une base de coopération a été créée entre cette municipalité qui peut être exploitée pour une continuation dans le futur. D'ailleurs, il y a aussi de plus en plus de citoyens d'origine marocaine qui sont actifs dans la vie politique aux Pays-Bas, souvent dans la vie politique municipale, et qui s'intéressent à investir dans le développement de leur région natale. Je suis très content, Monsieur le Président, que cette première assise de la coopération décentralisée de l'Oriental crée une base plus solide pour cette forme de coopération avec le Maroc. J'espère donc bien, Monsieur le Président, que sur cette base, nous pouvons construire des relations plus fortes encore dans le futur. Merci beaucoup.